What's up, tout le monde, c'est MCBHK. Aujourd'hui, on se trouve pour un live sur mon PC. Donc, on va jouer sur Dead Island, le tout premier. Donc, pour ceux qui connaissent, tant mieux. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est celui qui était juste avant le Reptide. Donc, ça fait un moment qu'il est sorti, même très longtemps qu'il est sorti. Et d'ailleurs, je fais cette vidéo parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps et parce que je voulais me le prendre et vu que je suis plutôt joueur PS3 moi, mais j'hésitais à me le prendre sur PC. Je me disais ouais peut-être ça va pas me plaire et tout. Et finalement c'est assez sympa, franchement je trouve ça plutôt pas mal. Les graphismes, bon comme c'est pas un bon ordi de comme c'est pas un ordi gamer, c'est un ordi simple, ça va, il lague pas. Ou de temps en temps il lague quand il y a trop de trucs, mais sinon ça va, on peut prendre du plaisir à jouer. Et d'ailleurs où est mon jeu? Oh, l'ordi, où es-tu? Bon, là, il y a un gros lag, là, je sais pas ce qui s'est passé sur mon ordi, là. C'est quoi ce bordel? Ah, il est putain. Voilà. Donc, je vais peut-être enlever le chrono en bas, ça fait peut-être un petit peu moche. Oui, ma souris, ah, ma souris est là. Donc, ok, je vais le laisser, tiens, comme ça je vois combien je filme. Ah là là, donc, je vais reprendre là où j'étais. J'ai pas beaucoup joué parce que je l'ai eu en fait cet après-midi. Donc, comme j'avais cours, j'ai commencé que ce soir. Ça fait peut-être 1 heure, même pas, que j'y joue. Donc, voilà quoi. Avant, j'ai jamais joué sur des jeux PC parce que je croyais que ça allait pas être bien. Donc, parce que moi, comme je joue en PS3, j'aime bien la PS3. Donc, je voulais pas en le prendre. Et finalement, j'ai décidé de le prendre. J'ai dit ma configuration de PC, elle peut bien le prendre et tout. Donc, j'ai dit, je vais tenter ma chance. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai le double pack, tu vois. J'ai le double pack. Donc, avec le Dead Island Reptile et Dead Island normal. Et j'ai tous les DLC, donc c'est plutôt sympa. J'espère que comme j'ai allumé Game Stadia, il ne va pas laguer le jeu, parce que des fois mon ordi, quand on a lu plusieurs trucs en même temps, il a tendance un petit peu à laguer. Et j'espère que ça ne va pas le faire. Sinon je pourrais pas faire la vidéo sur ce jeu et ça me foutrait bien les boules. D'ailleurs, je pense que je vais upload cette vidéo en premier. Donc je pense que la prochaine vidéo, ça sera sur AW, donc oui, un petit gameplay tiens, sur AW au sniper. Donc je vous dis pas mon score, vous verrez par vous-même. J'ai fait une moyenne partie, c'est pas non plus un gros score, mais c'est une bonne partie, on va dire. Donc voilà, donc je sais pas pourquoi il a du mal à se lancer là le jeu. Changement de la station balnéaire, ouais, ce qui pourrait se dépêcher quand même, ça me ferait plaisir. Je trouve que les boîtes sur PC elles sont assez classe. En plus, ça va bien le noir avec l'image de Dead Island. Je trouve que la boîte elles sont mieux et tout, au toucher et tout c'est mieux le plastique. Et donc je trouve qu'après les boîtes elles sont un petit peu plus résistantes que sur PS3, parce que sur PS3 avant on avait des boîtes résistantes, maintenant on a des boîtes assez pourries on va dire, enfin pas pourries mais elles sont pas solides en fait, donc c'est un petit peu chiant. Alors je suis ici, bon putain il lag, fait chier, ça va c'est jouable. Quand je ne vois pas ma carte, ça me fout bien les boules. Je vais essayer. Voilà, c'est juste. Ouf, tiens, enfin, je la vois, j'ai enlevé le Game Stadia. Par contre, il lag beaucoup là, j'ai l'impression. Ouais. Mais bon, c'est pas bien grave, hein, c'est jouable encore. Faire les combos, ouais, c'est bon, il lag pas trop. Ça, c'est à cause de Game Stadia, là, c'est casse-couille ça, par contre. C'est la vie qui me casse les couilles. Si à chaque vidéo ça fait ça, je pourrais pas prendre du plaisir. Il y a le shit de méga, c'est mes yeux. Enculé. Là, en fait, je tourne au ralenti, quoi. C'est vraiment le. Cogne, cogne. Allez, go. Et toi, là-haut. Couché, j'ai dit. C'est quoi qui me tape, là? Il y en a un autre. Je t'avais pas vu, Jackie. Désolé. Bien pour te péter la gueule, t'inquiète pas. Je t'oublierai pas. C'est mon ordi quand même, c'est pas un ordi gamer ni rien. C'est juste un ordi classique. C'est M4 mémoire RAM. Une carte graphique de 2 Go.
Un processeur Windows 8 64 bits, 64 bits, on va dire. Voilà, donc c'est un peu. J'ai pas vérifié le reste, j'en ai un petit peu rien à foutre. C'était un ordi à la base pour travailler, quoi, pour l'école et tout. Donc voilà. C'est pour ça que à la base il était pas fait pour faire tourner des jeux, et là j'ai décidé de faire tourner ce jeu, d'essayer de faire tourner ce jeu, et je vois que le résultat il est plutôt pas trop mal. Ça aurait pu être beaucoup, ça aurait pu être pire n'empêche, je pense, si j'avais eu un PC encore plus pourri, quoi. Là d'ailleurs, en faisant tourner Sony Vegas, il arrive à tourner, alors que pas un Minecraft, quand je faisais avec quand je faisais pas Sony Vegas, plutôt Damstasia, quel con. Non, j'ai mais quand je joue à Minecraft avec Damstasia pour rec, le truc il lag à mort comme Minecraft. Alors que là encore ça va, c'est jouable, le personnage il arrive à se déplacer. Bon, évidemment c'est moins bien que quand ça lague pas, quoi, parce que là par exemple la meuf, si j'avais pas lagué, j'aurais pu l'envoyer chier, quoi. C'est qu'elle m'a foncé dessus, donc j'aurais pu lui foutre un coup de pied. Et je serais pas mort aussi si je laguais pas. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est jouable de toute manière, donc c'est pas comme si laguer à ne plus pouvoir bouger, ou alors à deux à l'heure, quoi. Non, ça va, là, franchement, je trouve que c'est assez jouable quand même. Oh putain, mais elle est casse-couille là. Tu vas vite te coucher par terre là et puis bouger. Oh merde, il y a Nana qui m'a attaqué par derrière. T'as pas de couilles, toi, tu veux me frapper là? Allez, viens, viens, viens te battre avec tonton Grégory. Hein? Mais oui, oh, ils sont gentils, les petits zombies. Mais oui, ils sont pas méchants. Oh, d'où tu prends par le côté, toi, alors que je rate pas là? Oh, on attaque pas tonton comme ça, là, tu crois où là? Oh, ici c'est moi le chef, vraiment dans les yeux. Non, c'est quoi? Crève en paix, connard. Crève. Oh là, oh, il est mignon. Évidemment, non, t'es moche, enculé. Voilà, ça c'est dit. Hop. Merci. Donc voilà. Voilà. Donc, si déjà lui, il a un petit peu dit. Bon, il tourne bien, c'est juste comme ça déjà là qu'il fait laguer. Mais bon, a priori, le reptile, il devrait marcher aussi, vu que c'est à peu près la même config. Il faut peut-être un petit peu plus. Un meilleur. Qu'on s'appelle. Processeur, on va dire. Hein. Parce que bon, c'est sorti plus tard le Reptile, donc c'est un petit peu logique que ça soit pas tout à fait la même puissance d'ordi qui demande. Mais bon, j'ai regardé sur celui-là, c'est Windows XP qu'il faut pour faire tourner, et sur l'autre, c'est Windows en simple, quoi. Et en recommandé, c'est Windows 8. Alors que sur pourquoi je lag? Non, je viens ici, toi, et on touche pas à Grégory là. On touche pas à MCB Scarop là, tu crois où? Putain. Ils se croient tout permis, ces zombies là-haut. Et tu dégages. Il est encore crevé, il fait chiette. Coupier, 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 combo. Là j'ai envoyé un putain de combo, là ils ont tous dégagé. Combo. Ok, lui il a pas pris ses coups de pied. Putain, fais chier, il a pas pris ses coups de pied. C'est quoi ce jeu? Non, j'rigole. Je vais pas m'énerver sur un jeu. Ah, fais chier! Non, j'rigole. Ah là là, reste calme, même si Biscaro, pas besoin d'exploser ton ordi pour un jeu. Ça n'en vaut pas la peine. Ah ouais, vous êtes plus que deux. Ah, ils sont trois en fait. Oh là, combo. Tu veux te battre là, tiens, tiens, tiens. Oh, boum, coup de poing dans ta gueule, et bim, lui se relève, boum, un coup de couteau. Coucher nounours, hop, bim, il est mort. Lui, il va prendre un coup de pied, Bigfoot, ouh, boum, dans ta gueule. Et il bouge plus. Ah, mais oui, hein. Mais oui, il est content. Il a pris son petit coup de pied, il est content. Non, j'ai voilà. Ah là là. Bon, ce jeu, je trouve qu'il est un petit peu mieux sur PC. Bon, là, il lag un petit peu, c'est un petit peu casse-couille. Mais s'il laguait pas, je trouve qu'il est un petit peu mieux au niveau des touches et tout. Je trouve que c'est peut-être pas forcément plus simple, mais les graphismes, déjà, je trouve que, les graphismes, pardon, je trouve qu'ils sont mieux. Parce que déjà, bon, j'ai pas une carte graphique de gamer, ça, il faut déjà le souligner. Mais par contre, j'ai une carte graphique normale, on va dire, basique. Et déjà, j'ai des graphismes qui sont pas trop mal. Alors, si j'avais une bonne carte, ça serait encore mieux.
Non, ça serait mieux que la PS3, parce que sur PS3, les graphismes sont à peu près un petit peu pareils que ça. Je sais pas, je l'ai pas eu le jeu, donc par contre, j'ai eu le Reptile qu'on m'a donné, et les graphismes sont bien, mais ils sont pas non plus génial, génial. Alors qu'à ce qui paraît, sur PC, si on a une carte graphique qui arrive à suivre le mouvement, on peut vraiment avoir des bons graphismes, quoi. Donc, c'est ça aussi un petit peu qui m'intéresse, quoi. C'est chercher, bon, les graphismes, c'est pas le principal dans un jeu. C'est pas parce qu'on a des graphismes pas comme dans la réalité que le jeu il est pourri, quoi. Faut pas dire ça. Moi, les graphismes m'en font un petit peu, mais j'aime quand même bien avoir des graphismes minimum. C'est sûr que si j'ai des graphismes de jeux comme sur la PS1, ça va pas trop me plaire, alors que là, j'ai des graphismes corrects, ça me plaît, le jeu est cool, je trouve, pour ceux qui trouvent ce jeu cool, parce qu'il y en a pas beaucoup qui disent que, il y en a plein qui disent que ce jeu est un petit peu nul, ils préfèrent tous Far Cry, donc, désolé si je prononce mal, hein. Mais bon, voilà, donc, tout le monde, d'ailleurs, j'ai plein de potes à moi qui ont acheté le Far Cry 4, qui est sorti il y a pas très longtemps, je sais même pas il y a combien de temps il est sorti, je crois qu'il est sorti au mois de novembre, vers le 18 ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est pas des jeux moi qui m'attirent Far Cry, parce que même si je sais que j'adore les vues première personne, moi c'est vraiment un truc que j'adore. Je préfère ça que la troisième, moi ça va, comme GTA par exemple, j'aime bien la troisième personne, mais ça, je trouve que c'est plus réaliste et un petit peu mieux à la première personne. Donc c'est chacun a pris son avis, et si vous aimez par exemple, je crois que ça s'appelle les TPS, vu troisième personne, c'est votre choix. Moi je préfère les FPS vu première personne, quoi. Après c'est chacun son choix, hein. Je dis pas ouais les TPS c'est de la merde et tout, passer sur FPS, non, ça c'est votre choix, je vous oblige, voilà quoi, je respecte votre choix, j'espère que vous allez respecter le mien, parce que voilà quoi, c'est une question de respect. Bon là je l'avais comme un gros porc, genre le mec qui veut pas me lâcher. Ah là, j'ai réussi à le mettre à terre. J'ai réussi à le calmer un petit peu. Je trouvais que le jeu il est à peu près pareil au niveau des graphismes que le Dead Island Reptile. Donc il est à peu près pareil. Et il y a peut-être quelques pixels supplémentaires au niveau de jeu. Au niveau du graphisme de Reptile, mais ça se voit pas quoi. Pour moi je trouve que c'est à peu près pareil, ça je vais vous le dire, parce que quand je finis ce jeu je vais le refaire le Reptile sur PC, parce que je l'ai déjà fini sur PS3 et ça m'embêterait de le recommencer sur PS3, ça sert strictement à rien en plus de recommencer le jeu alors qu'on l'a fini. Ben, pour ceux qui aiment recommencer les campagnes et tout, ce n'est pas mon cas. Une fois que j'ai fini le jeu, j'y joue plus trop. Je sais que j'ai une logique à la con, mais une fois que j'ai fini le jeu, j'y joue un petit peu, mais pas beaucoup. GTA V, j'y joue de temps en temps pour m'éclater et tout, parce que c'est marrant de pouvoir de faire un petit peu tout ce qu'on, pas tout ce qu'on veut, mais s'éclater dans la ville et tout. Mais je trouve que c'est pas mal, mais bon, une fois qu'on a fini la campagne, je trouve qu'on s'emmerde un petit peu. Hein. Au bout de 2 mois après, je trouve que moi, je trouve plus trop intéressant le jeu, donc. Voilà. Donc voilà. C'est déjà venu là après. Quand j'ai arrêté ma partie pour pouvoir lancer la vidéo. Donc voilà. Donc, je sais même pas combien de temps ça fait la vidéo là d'ailleurs. J'ai aucun moyen de le savoir. Je pense que ça doit faire une bonne dizaine de minutes. Donc je pense que j'ai bientôt arrêté la vidéo. Donc d'ailleurs, je vais arrêter la vidéo là, parce que de toute manière, ça sert à rien de faire une vidéo de 3 heures. Donc, j'espère que ce petit live vous aura plu sur ce Dead Island. Donc, désolé si c'est le jeu un petit peu lagué, je sais qu'il y en a que ça dérange, mais excusez-moi. Donc, n'oubliez pas de liker, commenter la vidéo, de la partager si vous l'avez aimé, et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Donc n'oubliez pas de me demander un ami sur la PS3, Skype et Facebook. Bon allez, je vous dis ciao, je vous laisse aller geeker. Ciao!